Atofa na kina kiti na yo. Amen. Kopo yon kinga ina sanjoli. Amen. Otele miyo yamba yango. Amen. Amen. Aleluya. Amen. Oso ke moninga ina bitumba. Amen. Siyo ye otele mi. Amen. Oza kozela na longa ye. Amen. Kolo yesuwe. Aleluya. Amen. Ekimelo nanga. Amen. Ebo pamelo nanga. Amen. Sinde yo yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, Papa, je ba moni monzo twango. Amen. Baye kogumba melayo. Amen. Mokonzi aba konzi yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ah, Elikia nanga na yembelio na sanjolio na kumisio na netolio yes. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah na Yesue. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, toko yemba toko bina, toko yembela mokonje. Hallelujah, 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 hallelujah. Ye nzambe na nga, nzambe na yo, nzambe na biso nyoso. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, kolo. Hallelujah, na Yesue. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, yemba, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Toko yemba pona yo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Londe libanga na talo. Hallelujah. Oh, hallelujah. Nzambe na banzambe yo 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 toko yemba pona yo 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 naleliye yawe naleliye yawe naleliye yawe naleliye yawe naleliye ya o yemba haleluya o haleluya o yemba pona yo 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 nde libanga na talo kosi ba yuda palo banga na yoka e yo yo haleluya ya ya haleluya ya haleluya haleluya ya we haleluya ya we haleluya ya we magnifique Seigneur, est-ce qu'on peut tous, frères et sœurs, l'acclamer? Nous sommes... Alléluia, gloire à Dieu. Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Nous sommes en direct sur nos médias. Je ne sais pas, juste une petite remarque, l'équipe technique, la caméra de face n'est-elle pas bizarre? Voilà. Voilà, parce que les gens chez eux, je pense qu'ils nous voient un peu bizarrement. Parfait, nickel. Que Dieu soit béni. Merci pour la présence de chacun de vous. Nous sommes vraiment dans la joie de vous avoir avec nous ce soir, de savoir aussi que vous êtes très très nombreux à être connectés ce soir sur TV et Radio de Vie. Que Dieu soit béni pour cet engouement que le Saint-Esprit suscite en vous, en nous, cette soif de la vérité. Et voilà, que le Seigneur soit béni. Père, nous, Yeshua, nous te confions cette émission. Nous voulons, Seigneur, t'exalter. Nous voulons te voir élevé, magnifié. Seigneur, nous te confions nos cœurs, nos pensées, nos sentiments. Sois le maître de nos vies. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous te prions, Père. Amen. Voilà, avant toute chose, nous voulons dire merci au Seigneur pour le programme du 19 décembre. Et le Seigneur nous a assistés. Et nous voulons également dire merci aux frères et sœurs, aux enfants de Dieu, à toutes les personnes qui ont répondu présentes à l'appel. Et nous voulons aussi en même temps vous présenter nos excuses pour des petits couacs qu'il y a eu avec l'équipe de sécurité. Il y a eu, nous avons remarqué aussi par rapport à vos remarques, nous avons constaté nous-mêmes également qu'il y a eu quelques ratages, quelques couacs. Et certains comportements qui n'étaient pas, bien sûr, dignes
et de certaines personnes, pas de toutes les personnes qui ont travaillé dans la sécurité, mais de certaines personnes et voilà, qui n'ont pas su gérer, n'est-ce pas, la pression qu'il y avait. Et voilà, donc même s'il y a eu de la pression, c'est de notre responsabilité de savoir comment la gérer. Voilà, donc il y a eu vraiment du ratage par rapport à la sécurité. Et nous voulons vous présenter nos excuses, frères et sœurs, nous sommes des hommes. Ça nous arrive de faire aussi des erreurs, voilà. Que le Seigneur soit béni en tout cas pour les prochaines réunions, il n'y aura plus ce ratage. Et il y a eu beaucoup de gens qui sont venus du monde entier, il y a eu beaucoup d'inconvertis. Et certains, parmi ces inconvertis, n'avaient pas, bien sûr, à voir toutes ces choses. Il y a eu de la pression, c'est vrai. Il y a eu aussi certaines personnes qui sont venues qui ont aussi eu des comportements inappropriés. Et des comportements, n'est-ce pas, qui n'étaient pas du tout, encourageants. Et vis-à-vis aussi de certains frères qui étaient dans la sécurité. Donc, que le Seigneur soit béni. Mais en tout cas, nous avons voulu prendre ça sur nous et vous présenter nos excuses. Voilà. Donc, nous osons croire que vous nous avez pardonné. Que Dieu soit béni. Alors, je voudrais en même temps aussi vous annoncer que le 28, donc le 28 ce dimanche qui arrive, nous avons un autre programme de réveil et notre programme d'adoration, de partage, d'enseignement, d'exhortation à partir de 14h à la salle millénaire à Savigny-le-Temple. C'est juste à la gare de Savigny-le-Temple. Toutes les informations concernant ce programme sont sur le site de TV de Vie. Voilà, donc c'est une salle qui peut contenir à peu près 2000 places assises et le programme commence à 14h. Et voilà, donc cette fois-ci, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de problème avec l'équipe de sécurité. Voilà, donc dès que vous arrivez, vous allez, n'est-ce pas, vous installer sans problème. Voilà, donc alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas laissé les frères et sœurs tout de suite rentrer dans la salle lors du programme du 19? C'est tout simplement parce que nous avons loué de la sono professionnelle et on nous a demandé, donc les personnes qui nous ont loué cette sono nous ont demandé de ne pas laisser entrer les gens avant que les balances ne soient faites. Hein, donc il fallait faire les balances à vide, donc avec une salle vide. Donc voilà, et que le Seigneur soit béni en tout cas pour votre compréhension, au nom de Yeshua, et l'équipe de la sécurité qui a travaillé pendant ce programme vous présente également les excuses. Alors je voudrais dire également, parce qu'il y a un frère qui avait des livres, un frère du Sud, qui avait des livres qui lui avaient été offerts, je ne sais pas par qui. Apparemment, une personne de l'équipe de la sécurité, deux personnes de la sécurité lui auraient, n'est-ce pas, demandé ou carrément racketté 5 de ses livres. Et je voudrais dire à ces deux frères, soi-disant frères, parce que si tel est le cas, ils ne sont pas frères, n'est-ce pas? Donc il faudrait qu'ils ramènent rapidement ce livre-là, ces 5 livres, rapidement, dans les locaux de TV de Vie. Voilà. Donc si vous êtes connecté ce soir, ramenez-nous rapidement ces livres que vous avez demandé de manière insolente à cet homme, à ce frère qui a pris la route pour venir partager la parole avec nous, prier avec nous, et il n'avait pas besoin, n'est-ce pas, de se faire racketter. C'est une honte. Voilà. Donc c'est une honte pour nous, et que Dieu nous garde, que Dieu nous pardonne. Voilà. Donc ramenez-moi ce livre-là rapidement. C'est une honte. Donc le 28, en tout cas, et d'autres programmes, je vais moi-même veiller à ce que la sécurité, les frères qui travaillent à l'accueil et à la sécurité se comportent correctement. Voilà, donc que Dieu soit béni. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, demander des choses comme ça aux gens qui viennent au programme, qui viennent prier. Ce n'est pas correct, ce n'est pas chrétien. Et nous devons être des modèles. Voilà, donc c'est une honte, et je l'insiste, je suis très très déçu de ce type de comportement. Voilà, mes amis. Donc, je voudrais en tout cas dire merci à toutes les sœurs, à tous les frères, toutes les équipes, hein. Donc également certaines personnes de la sécurité qui ont travaillé, qui ont pu donner, n'est-ce pas, tout ce qu'ils avaient, n'est-ce pas, pour aider, pour encourager, pour soutenir. Que le Seigneur soit béni pour votre aide. Voilà, que Dieu soit béni. Alors je voudrais, avant de recevoir les frères et sœurs, d'emblée vous montrer un élément sur
voilà, un avant-goût du programme du 19 pour ceux et celles qui n'ont pas pu venir sur place et également ceux qui n'ont pas pu nous suivre en direct à cause du problème de, je sais pas, la connexion ou parce que vous avez travaillé. Voilà, donc on va vous diffuser rapidement quelques images afin que vous voyez vous-même ce que le Seigneur a accompli au milieu de nous. Et Dieu fait son œuvre, personne ne peut l'empêcher de se glorifier. Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices, auditeurs de TV et Radio de Vie. Alors nous sommes aujourd'hui le 19 décembre, une date bien annoncée depuis un moment sur ces médias par rapport à un grand programme qui allait être organisé, accueillant des personnes venant du monde entier, de France bien sûr, mais aussi d'autres pays comme la Suisse, comme les Antilles aussi seront présentes, comme des pays d'Afrique comme le Gabon, la Côte d'Ivoire. Le Seigneur a permis donc ce jour-là que plusieurs de ces enfants se réunissent en ce lieu pour un grand programme qui a lieu ce soir par sa grâce, où aura lieu la distribution de la BJC, la Bible de Jésus, distribuée gratuitement pour les enfants de Dieu et pour répandre sa parole. Et donc voilà, et aujourd'hui, donc il est actuellement 11h pendant que nous tournons cette petite introduction pour vous, pour que vous puissiez vous rendre compte de l'endroit où nous nous trouvons. Donc cet espace s'appelle l'espace Venise et à 11h, on peut se rendre compte, alors on a une pièce là-bas, on va aller ensemble la voir. On a une salle où on a pu accueillir pour l'instant les personnes qui sont arrivées, pour certaines depuis 7h30 du matin. Donc on va aller voir ensemble comment, pour vous montrer un peu l'ampleur hein, de la chose, comment cette salle est pleine déjà à 11h alors que le programme commence à 19h. Donc voilà. Donc ici, on peut se rendre compte de comment la salle est compacte, je dirais. Là, il y a déjà énormément de monde, beaucoup de monde qui sont debout. Et donc voilà, cette pièce donc, va jusqu'au fond là-bas. Je pense qu'il y a au moins 20 à 30 mètres et au moins 20 mètres et de profondeur. Et donc voilà, déjà la salle est bien remplie. Et comme je disais, il n'est que 11h. Donc nous ne savons pas exactement comment est-ce que les choses vont se dérouler dans la suite. Mais on est déjà heureux d'être là. On peut se rendre compte, voilà, je vous ouvre la porte. Donc voilà, vous pouvez constater avec nous ce que le Seigneur est en train de faire. Je m'appelle Luna Kachak Lemonce. Okay. Et vous venez d'où? Je viens de Rue Coupouronne. Je suis arrivée ici à 7h30. Wow. Et vous avez participé aux réunions de réveil qui se sont passées durant 2 ans à Évry. Oui. Vous étiez là tous les samedis? Oui. Wow. Parce que je suis à la recherche de Jésus, je veux le croiser. Il m'a sauvé, je vais lui rendre gloire. Je vais élever son nom. Amen. Amen. Et donc vous disiez que vous étiez là depuis 7h30? Oui. Pour un programme qui commence à 19h? Oui. Et pourquoi vous êtes venu si tôt? Parce que j'aimerais être là, je ne veux pas être en retard, et je vais être à l'heure et je vais être dans la prière. D'accord, ok. Oui. Oui. Mes frères et sœurs, c'est encore nous, donc sur TV de Vie. Alors là, un quart de Poitiers vient d'arriver, donc nous allons ensemble aller les voir pour les accueillir. Bonjour, vous allez bien? Ça va maman? Vous êtes partie depuis quelle heure? 6h. Depuis 6h? 6h de Poitiers. 1h du matin. 1h du matin, on s'est levé. Depuis où? Depuis Cognac. Waouh. Donc on a Poitiers, on a Cognac. Il y a d'autres villes qui sont représentées là? Angoulême. Angoulême. Partenay. Merci Jésus. Et si je peux dans les petits patelins, c'est moi qui connais ça. Il y a un deuxième quart qui arrive de la même provenance. Donc vous étiez 120 en tout. Ah d'accord. Donc 120 personnes arrivées. Donc il est quelle heure là? 11h. Il est 11h. Il est 11h et le programme commence à 19h. Voilà. On va s'armer de courage. Hein. Merci Seigneur.
Non, que Dieu soit béni. Vraiment, ça nous fait plaisir de tous vous voir arriver aussi nombreux et puis si tôt. Donc là, vous êtes 120, mais dites-vous qu'il y a déjà des personnes qui sont là depuis 7h30, hein, qui sont déjà présentes dans la salle là-bas. Je ne vais pas trop vous retenir là, je pense que vous voulez peut-être avancer. Vous sortez du cas où il faisait chaud. Albert. Merci de nous accueillir. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Épuisé, fatigué. Donc on vient de recevoir là un deux quarts. Donc il y a un deuxième quart qui va arriver et en tout ça fera 120 personnes qui nous viennent d'Angoulême, qui nous viennent de La Rochelle, des environs, qui nous viennent aussi de Bressure, de Niort. Et tout ça ben, pour participer à ce programme. Je crois qu'on va pouvoir ensemble aller voir le car qui arrive. Donc c'est le deuxième car qui arrive, qui est en train d'arriver maintenant. Donc le car qui nous vient du Poitou-Charente. Et donc vous voyez à l'intérieur les frères et sœurs qui arrivent, qui nous font coucou. Là on a des frères et sœurs d'Angoulême. Yeshua, 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 papa et pour toi, Jésus. Dans les prochaines heures, le conseil c'est qu'il y aura de plus en plus de monde rassemblé par le Seigneur pour ce programme et on ne sait pas ce qu'il va faire. Moi la première, je n'ai aucune idée de ce que le Seigneur va effectivement accomplir, mais je sais que ce sera grandiose, je sais que ce sera beau parce que le Seigneur ne réunit pas autant de ses enfants pour rien et ne touche pas des cœurs pour les ramener si tôt pour un programme en vain quoi. Donc on s'attend tous à l'action de son esprit, on s'attend tous à vivre encore des belles choses dans sa présence et on est vraiment vraiment très heureux de pouvoir partager ça ensemble et de pouvoir aussi vous le partager. Que Dieu soit vraiment béni. On va aller essayer d'aller voir d'autres personnes pour avoir d'autres... Vous venez du sud, c'est ça? Oui, du sud. Ok, donc on va juste regarder la caméra pour pouvoir partager les autres, enfin, l'expérience que nous on est en train de vivre ici maintenant. Ok, alors comment est-ce que vous vous appelez? Ça va. Mireille. Mireille, d'accord. Moi c'est Aurélie. Donc on est très content de vous voir aussi nombreux aujourd'hui. Et j'ai cru voir sur votre t-shirt écrit le Sud pour Jésus. Vous les avez fait faire dans le Sud? Oui, je pense que oui. Dans d'accord. Le sud. Et vous venez d'où exactement dans le Sud? De Saint-Maximin. Saint-Maxime, ça se trouve où? Non, Saint-Maximin dans le Saint-Maximin, dans le Var. Ok, d'accord. Et comment vous avez connu le message? Quelqu'un nous avait parlé. Et on a suivi sur Internet. D'accord. Ok, donc vous avez suivi ça sur TV 2000, c'est ça? Oui, sur TV 2000. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous a fait? Moi, c'est le message était vrai et donc ça correspondait avec la vision qu'on avait eue auparavant parce que ça fait 10 ans qu'on est sorti des églises. D'accord. Et c'était une continuité en fait. D'accord. De notre message parce qu'on n'avait pas d'église. Et on avait sorti de Babylone il y a 10 ans en arrière. Et l'année dernière, on avait un groupe et on est sorti du groupe aussi. D'accord. Donc en fait, tu comprends, il faut sortir de Babylone tous les jours de notre vie. Ok. Donc, effectivement, pour se rapprocher davantage voilà, du Seigneur. Et vous dites que vous étiez avec votre mari? Avec mon mari. C'est votre époux? Vous pouvez venir avec vous? Comment est-ce que vous appelez? Okay, Alain. Alain, d'accord. Et donc c'est ensemble que vous avez découvert ce message là sur les deux. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Et vous, aujourd'hui, vous étiez déjà venu aux réunions de réveil? Ah, oui. D'accord. Plusieurs fois? Oui. Quatre fois. Quatre fois. D'accord, ok. Et vous aviez préparé ce voyage depuis longtemps pour venir aujourd'hui? Ah, oui, bien sûr. On avait planifié sur les papiers, oui, oui. Le train, quatre fois. Wow. Et vous avez alors j'en perds mes mots. Vous êtes arrivé ici à quelle heure ce matin? 8h30. À 8h30 vous étiez là? Vous avez loué un hôtel pas loin, c'est ça? Non. Vous êtes venu dans la douche et on est à 5 minutes le temps.
Vous êtes à 5 minutes. Enfin, chez un neveu qui habitait là-bas. D'accord. On a dormi chez lui hier soir. Et ce matin, bonheur, il a fallu qu'on se lève à 5h du matin pour prendre le RER. Wow. Enfin, wow. Mais vous n'avez pas eu peur de prendre les transports en commun ici? Le Seigneur est avec nous. Amen. Donc quand je dis peur, parfois certaines personnes ont peur de se tromper ou de se perdre. Ah non. Mais rien vous a arrêté. Hein. Non. Là, nous avons en face de nous un car qui nous vient de Belgique. Donc à l'intérieur, nous avons des personnes qui ont décidé de prendre la route pour arriver ici à Sarcelles, donc pour le programme du 19 décembre. Avec donc, vous pouvez voir ici par exemple qu'il y a une femme avec ses enfants, donc les personnes sont venues en famille. Vous pouvez peut-être entendre, je ne sais pas si vous entendez, mais les chants qui sont entonnés par donc ces personnes qui viennent d'arriver. Alors là, le car nous les bloque un peu, je dirais, bloque un peu la vue, mais on va bientôt pouvoir les voir correctement. Donc voilà. Donc ce car, il est plein. Hein. Je pense qu'il y a au moins une cinquantaine de places dedans, sinon plus. Donc voilà. Et on bénit le nom de Dieu. Ce sont les frères et sœurs de Belgique qui ont loué donc ce car-là pour faire ce voyage ensemble et pour venir jusqu'ici. Donc comme vous pouvez le constater, les personnes viennent effectivement nombreuses. Hein. On a pu voir aussi deux autres cars qui étaient venus de Poitou-Charentes plus tôt dans la journée. Et donc là, actuellement, alors quelle heure est-il? À ma montre, il est bientôt 13h, donc 13h moins le quart. Et actuellement, donc, on peut voir les personnes qui arrivent de Belgique. Donc voilà, on bénit Dieu pour ce qu'il fait. Et donc voilà. Alors, je vais essayer de leur faire un coucou pour qu'ils se montrent à nous. Est-ce que vous pouvez, les personnes qui descendent du car, est-ce que vous pouvez venir vers là qu'on vous voit un peu de Liège? Est-ce que vous avez de la place pour vous mettre ici ou pas? Vous pouvez vous avancer? On vient de Liège. Bonjour. Bonjour, vous arrivez tous de Liège là? Oui, on vient de Liège. Vous étiez combien dans le car? Une centaine. Hein? Non, 70. 70? 70. Ok, voilà. 70. Mais il y a les gens de Bruxelles qui arrivent. D'accord. Donc, 4 bus. 4 bus? Voilà. De combien de personnes? 4 docteurs comme ça. Comme ça? Oui, 4. Wow. Et donc en tout là, ça va nous faire 4 cars qui arrivent de Bruxelles. Wow. En plus, il y a un autre car qui va venir de Mons, je pense. D'accord. Et nous, on a quitté à 7h30. Ok. Et voilà, on est arrivé, on est super excités. Ah, ben ça, je veux bien voir. Juste la salle. On est super excités. On est arrivé en Jésus. On est arrivé en Jésus. On est arrivé à Jésus. On est arrivé à Jésus. On est arrivé pour Jésus. Donc voilà, notre sœur qui nous chante, on est arrivé pour Jésus. Amen. Que vraiment le nom du Seigneur soit béni, on est très content de vous voir là. Donc vous pouvez faire le tour hein, pour venir nous rejoindre. Donc voilà, hein, frères et sœurs, vous pouvez vous rendre compte là de l'excitation aussi des personnes qui se sont levées tôt le matin pour venir de pays donc frontaliers pour arriver jusqu'à Sarcelles. Vraiment, enfin, l'engouement que cela suscite chez les uns et les autres est vraiment incroyable et on peut se dire que ça vient du Seigneur parce que quand on se rend compte du nombre de personnes qui sont déjà là, sincèrement, je ne saurais même pas les compter. C'est tellement plein que voilà, c'est incroyable. Quand on se rend compte que dès 6h du matin, il y avait déjà une centaine de personnes qui étaient présentes, on peut s'imaginer ce que ça va être à 19h. Alors, comme on vous l'a déjà dit, hein, on pense nous-mêmes être dépassés par ce qui va arriver, mais on pense que le Seigneur est au contrôle néanmoins. Si humainement, nous, on n'a pas la capacité de tout contrôler, nous savons que c'est l'œuvre de Dieu, c'est son programme, c'est lui qui gérera toutes choses parce qu'il est au contrôle de tout et que c'est lui-même qui a attiré toutes les personnes qui viennent aujourd'hui et il fait son œuvre et on est vraiment, vraiment très heureux de partager ça avec vous. Donc voilà, bah, on va se retrouver un peu plus tard encore. 5h45. Waouh, le temps de préparer les enfants, tout ça. Ouais. Ok, et donc vous avez fait combien d'heures de route pour arriver jusqu'ici? On est parti à 7h30, on est arrivé à 9h30. Ok, donc ça fait 5 heures de route. D'accord. Et comment vous vous sentez là en ce moment par rapport à ce programme? Nous sommes dans la joie et on sait que Jésus va faire de grandes choses. On s'attend encore à Jésus une fois de plus. Amen, comme nous tous. Oui. C'est une bonne nouvelle ça. Et est-ce que vous avez une attente particulière quand même par rapport à ce soir? Merci. Que Dieu se glorifie encore, c'est tout, qu'il fasse ce qu'il voudra, que ça soit bon. Amen. Et qu'est-ce que vous pensez du nombre de personnes? Parce que là, vous n'êtes pas encore rentrés, mais oui. Vous allez voir
qu'il y a beaucoup de monde. Dès 6h du matin, il y avait une centaine de personnes déjà. Wow. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que les gens ont soif. Les gens comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est vraiment le temps de se lever. L'église se réveille parce que bientôt Jésus revient. Et voilà. C'est vrai que la tête m'a dit que c'est bien. Moi, je ne pense pas que ça soit hybride. Je pense vraiment que les gens qui veulent rencontrer Jésus. Amen. Donc on se rend compte que l'œuvre de Dieu est en train de se faire, hein, et surtout dans les cœurs. Vraiment que Dieu soit béni, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques instants. Et on est très très heureux de voir tout ce monde qui arrive. C'est très impressionnant et ça fait vraiment plaisir. Et voilà, de voir comment Dieu travaille quoi. Voilà. Merci beaucoup. Chers auditrices et auditeurs de TV et Radio de Vie, nous sommes encore bien à la salle, donc à l'espace Venise, donc comme vous avez été annoncé tout à l'heure. Et là, vous avez pu voir tout à l'heure une salle où il y avait du monde. Mais en fait, c'est pour vous donner un peu l'aperçu du nombre de personnes que nous accueillons actuellement. Là, nous ne sommes même pas encore, il n'y a même pas encore midi. Et vous pouvez voir avec moi constater la foule que le Seigneur a attirée. Constater aussi dans la joie que ce moment, que cet événement vient entrer dans les cœurs des enfants de Dieu. Vous pouvez entendre les chants qui sont adressés au Seigneur par rapport à ce programme que le Seigneur organise. Nous sommes vraiment dépassés nous-mêmes par ce que nous faisons sincèrement. Nous voulons vraiment lui rendre gloire de tout ce qu'il fait en fait actuellement dans le cœur de chacune des personnes qu'il a attirées aujourd'hui. Et le Seigneur sait ce qu'il a prévu pour chacun. Et nous sommes vraiment heureux de pouvoir partager ça tous ensemble, de pouvoir partager ce moment ensemble. Et nous aurons encore l'occasion de vous montrer d'autres images, mais vu la foule qu'il y a impressionnée, nous avions envie de vous montrer un peu l'état des lieux, je dirais à midi environ. Donc voilà, toutes les heures, on va essayer un peu de vous montrer comment les choses sont venues, que vous puissiez vous rendre compte heure par heure à peu près comment le Seigneur attire des personnes et la foule qui va remplir donc la grande salle. Pour l'instant, là, les personnes que vous voyez sont dans un couloir qui amène jusqu'à la grande salle qui est en cours de préparation pour mettre en place tout le matériel pour pouvoir bien vous donner une diffusion optimale pour ce soir et permettre bien que tout le monde puisse suivre le programme comme il se doit. Donc voilà, et donc pour l'instant, ben, les personnes attendent dans le couloir et donc c'est dans ce couloir-là que vous voyez toutes ces personnes-là. Et ça ne cesse de se remplir, il y a encore les personnes qui vont arriver. Et donc on vous fera un point encore dans une heure environ pour que vous puissiez vous rendre compte avec nous de ce que Dieu fait au fur et à mesure de cette journée. Amen. Que Dieu soit béni. Qu'il attire, pour les âmes qu'il touche, pour ce grand travail qu'il fait et qui est bien au-delà de tout ce que nous avons la capacité de faire.
on est obligé de reconnaître que c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et c'est vraiment beau de pouvoir participer à ça. On espère aussi que depuis chez vous, vous saurez apprécier ce que nous pouvons vivre en ce moment et que vous pourrez être avec nous dans l'esprit pour pouvoir bénéficier de tout ce que le Seigneur nous donnera aujourd'hui. On sent une excitation qui monte dans nos cœurs par rapport à cette journée quand on se rend compte de l'ampleur de la chose et on bénit vraiment le Seigneur. Donc voilà, écoutez, on va se retrouver un peu plus tard dans la journée de toute façon pour voir un peu l'évolution des choses et que vous puissiez vous rendre compte avec nous, vous faire vivre aussi ces moments-là de ce que le Seigneur est en train d'accomplir en ce moment à l'Espace Venise, à Sarcelles, en France. Voilà, à tout à l'heure. Alléluia. Amen. Rabbi, où est le Messie? Amen. Enfant du Gabon, Jésus a un examen. Cet enfant a quel âge là? 3 jours aujourd'hui. 3 jours aujourd'hui. The baby is 3 days. Donnez-moi une Bible. Donnez-moi une Bible. C'est une exception, c'est pour ce bébé. It's an exception for the baby. Comment il s'appelle? Yeshua. Yeshua. Wow. Avec ça. 3 jours. The baby is ressuscité. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Donc il y a ce bébé bien sûr qui s'appelle Yeshua. Je disais qu'il ne faudrait surtout pas l'adorer. Donc on n'a qu'un seul véritable Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Donc on va rapidement recevoir les frères et sœurs qui sont sur le plateau. Et c'est vraiment une joie pour nous de vous recevoir. Et on va commencer par la Martinique. Gloire à Dieu. Bonsoir. Je suis martiniquaise, la maman adoptive de Chura. Amen. En plus, l'église de maison se tient chez moi, à la ZAC 6 Châteaubœuf, c'est tout près de la Ménard. D'accord, l'hôpital. Donc, l'hôpital de la Ménard. Et vraiment, c'est un combat, mais Dieu est avec nous. Et il nous fortifie, il nous restaure. Et quand on essaie de perdre les pieds, on perd courage. Mais le Saint-Esprit est toujours là pour nous rappeler que c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui fait tout pour nous. Et on n'a pas le choix, on n'a pas le droit de retourner en arrière. Amen. On est obligé de foncer malgré les coups bas, malgré... Mais je dis que quand on est dans ces états-là, c'est vraiment parce que Dieu veut nous prouver que nous sommes dans la bonne voie. Et vraiment, je bénis Dieu pour cela parce qu'il me fortifie. Et bien souvent, quand je me sens un peu découragée, je pense à Chura. Je dis, s'il tient, moi aussi je peux te... Amen. Donc je continue. Amen. Donc je bénis Dieu pour ma présence ici, parce que ça a été une hésitation. Hein. J'ai hésité jusqu'à la dernière minute. Et je me suis décidée. Et je dis, gloire à Dieu. Et je suis venue, je n'ai rien dit à personne, j'ai fait la surprise. Wow. Voilà. C'est une belle surprise en tout cas. Là, c'est... Quand on m'a dit que tu étais là, c'était dans la salle, hein? Oui. Je me suis dit, mais elle est où? C'était vraiment une belle surprise. Gloire à Dieu. Wow. Donc, je suis venue avec plusieurs frères et sœurs qui ne sont pas là. D'accord. Il y en a qui partent demain. Il y a ma fille Mylène qui est là. D'accord. Donc, on essaie de faire de notre mieux pour l'œuvre. Amen, amen. On essaie de mener à bien l'œuvre. Et puis, bon, il y a des partout, hein. Il y a des jalousies. Toujours. Ça existe toujours, mais... Dieu est vivant. Amen. Et on s'appuie sur lui, on lui fait confiance. Et vraiment, on a eu plusieurs sœurs et frères de la Guadeloupe qui nous ont visités. Wow. Et vraiment, je bénis Dieu pour leur passage, telle que la sœur Pascal. Pascal, ok, enchantée, oui. C'est bien, c'est bien. Elle est restée près de moi. C'est bien, c'est bien, gloire à Dieu. Et vraiment, son passage nous a fait du bien. Il y a eu ses parents, Moïse, c'est son ça. Frère, Polo et tout ça. D'accord. Vraiment, on a été bénis par le passage. Après, on a eu le frère Trésor, que je salue au passage. Mm-hmm.
et qui nous sont passés, nous a fait beaucoup de bien. Amen. Et qui ne sera pas resté trop assez longtemps. D'accord. Mais il était encouragé aussi, il m'a dit. Oui, j'espère qu'on va encore le revoir. On pourra vous le renvoyer avec joie. Amen. Waouh. Voilà. Et vraiment, que Dieu soit béni. Et puis, faisons confiance à l'œuvre, à Dieu du moins. Et puis, appuyons-nous sur lui. C'est lui notre appui, notre secours. Or, lui, il n'y a pas d'autre secours. Donc, on continue, quoi. On continue. Gloire à Dieu. Dieu est fidèle, en tout cas. Amen. Et nous saluons en même temps Papa Maurice, hein, donc, ton époux, qui certainement est connecté. Non, il n'est pas connecté ce soir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je salue tous les frères et sœurs, Patrick, Lucienne, le frère, il y a un frère du Vauclin, le frère Jocelyn. D'accord. Je vais te parler. Ok, avec joie. Vraiment, c'est un frère qui aime Dieu, qui cherche Dieu, et Dieu l'a mis à part, l'a retiré d'une assemblée pour le mettre à part, et il se demandait comment faire, où est-ce qu'il allait, et Dieu l'a vraiment conduit vers nous. Et vraiment, c'est un frère qui reçoit aussi de Dieu. Amen. Il reçoit beaucoup de Dieu. Et je bénis Dieu pour lui, pour son épouse. Il a aussi des combats, mais je pense que Dieu veut faire quelque chose avec lui au Vauclin. Amen. Sur le Vauclin. Que le Saint-Saint bénisse, une porte qui s'ouvre là-bas, que le Saint-Saint bénisse. Et puis voilà, il y a les frères et sœurs de Sainte-Marie que je salue au passage, le frère Jacques surtout. Il a eu un petit accident, mais jusqu'ici, il n'est pas totalement rétabli et je lui fais un coucou. Que Dieu soit béni. En tout cas, on va se revoir bientôt à Martinique. Et le Seigneur est vraiment fidèle. Et que le Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Donc nous avons des amis, des sœurs qui sont du Venezuela. Venezuela, donc, comment on dit en espagnol, bonne nuit en portugais et en espagnol. Buenas noches. Buenas noches. Oh, que Dieu soit béni. Alors, vous êtes sœurs toutes les deux, comment? Sœurs en Christ. Ok, donc on va juste pencher un peu le micro vers elle pour, si on peut les, voilà. Donc, alors comment ça se passe vous êtes touchés par l'évangile, par le Seigneur et... Ouais, par les deux. Amen. Je suis convertie depuis de trois ans. Et je ne parle très bien français encore. D'accord. Mais je connais le Seigneur ici en France. En France, waouh. Gloire à Dieu. À Marseille. Oui. Gloire à Dieu. Oui. Et donc tu me disais que tu vas repartir au Venezuela. Oui, bientôt. Bientôt. Avec gloire vous. À Dieu. Ah ben avec joie, on ira apporter la parole. Amen. C'est un pays qui... Amen. On va y aller, bien sûr, pour apporter l'évangile, hein, avec le réveil. Bien sûr. Gloire à Dieu, ben on va... Oui, gloire à Dieu. Voilà. On va partager tout ça. Et cette semaine, vous êtes à Didasco, à la formation de Didasco. Oui, à la formation de Didasco. Ok, on va se voir, on va se revoir pour faire le point. Et puis, pourquoi pas, effectivement, parce que ça nous tient à cœur, hein, l'Amérique du Sud. Oui. Donc, on a déjà fait le Brésil. D'accord. On a été au Berlândia, on a fait São Paulo. Et tout ça, et Rio de Janeiro, tout ça, en tout cas, on a vécu des belles choses là-bas. Et pourquoi pas le Venezuela, ouais. Oui, bien sûr. Gloire à Dieu. Bien sûr. Que Dieu soit béni. On a aussi des amis qui nous viennent des US, donc on va les recevoir aussi, voilà, qui sont là. Et qui sont arrivés aujourd'hui, Christian et Nani. Hi. Alors Nani est américaine, hein, donc Christian, son époux également. Et comment ça s'est passé le voyage? C'était long? Oui. Combien d'heures de vol? 8h30, mais on a eu un retard de 3h. Un retard de 3h, ouais. En ce moment, il y a beaucoup de retard, hein, sur les vols. Donc on essayait de suivre la veille avec vous. Il y avait des petits bouts, la connexion n'était pas bonne. On paniquait, il n'y aura plus de bip quand on va arriver, mais bon. Là, vous avez déjà évolué, mais là. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être là? Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot en anglais, l'américain, bien sûr? En américain, parce que c'est pas pareil. Hein. Hein? Pour les Américains qui sont connectés, parce qu'ils sont beaucoup à être connectés. Beaucoup. Donc, beaucoup. Et je crois que pendant votre séjour, hein, Christian, on va profiter aussi pour faire des émissions, des enseignements traduits en américain pour diffuser là-bas. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Okay, gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce que tu peux dire juste avant en américain? Parce que ça fait bien d'entendre quand même l'accent américain. Là. Ça fait du bien aux oreilles. Ok, I just want to bless all the brothers and sisters that are watching. The Lord is at the door. It's time for us to wake up from our slumber and
it's high time for everybody to come into their calling and come back to the Lord Jesus, because Jesus is at the door, is returning. It's time for repentance. It's time to clean up our dirty lives and come to Him. The world is crazy right now. Mm-hmm. The only solution is Christ. I mean, everywhere you look, you can see that things are going down. We just have to wake up and, you know, come back to our senses and come back to Jesus so that we can be saved and be ready for the rapture. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Ça, c'est l'accent du sud ou du nord, de quel accent? Dis-nous un peu, là, c'est... Je suis de la Floride, donc la Floride. C'est un peu mélangé. Je viens de l'Ohio, maintenant je suis en Floride, donc c'est wow. Un peu tout, oui. Donc, que Dieu soit béni. Christian, ça va? Oui, ça va bien, par la grâce de Dieu. Dieu est bon. Amen. Tu es tout calme, là, ça m'inquiète un peu, là. C'est la paix du Seigneur. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Magnifique. Est-ce que tu es heureux d'être avec nous, là? Je suis vraiment dans la joie. Dans la joie et surtout d'avoir eu ma Bible. Amen. Est-ce que tu peux la montrer aux frères et sœurs qui sont aux États-Unis là-bas qui... Gloire à Dieu. La magnifique. Bible de Jésus. Ouais. Tu voilà. as payé quelque chose pour avoir cette Bible là? Non. Non. Magnifique. Elle est gratuite. Alléluia. Et je la recommande à tout le monde. À gloire à Dieu. Amen. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler en vénézuélien un peu là pour les frères et sœurs qui sont... En espagnol ou en vénézuélien quoi? C'est pas pareil que... Amen. Alléluia. Oui. Mm-hmm. Y que estamos súper contentas, uh-huh. súper emocionadas de estar uh-huh. aquí y ver todo este amor que Dios nos da a cada uno de nosotros. Uh-huh. Muy emocionada y muy contenta y esperando, bueno, venir rápidamente a Venezuela también para compartir el amor de Dios y todas las cosas buenas, abrir los ojos, los oídos de las personas que están esperando con mucho amor la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Magnifique. Magnifique, une belle langue, mes amis. En fait, quand je dis vénézuélien, c'est l'espagnol de là-bas. On sent que c'est particulier, c'est beau, c'est magnifique. Mais j'ai compris dans les débuts, là, j'ai compris un peu que tu es dans l'émotion, tu es contente, oui, tout ça. Oui, c'est en gloire à Dieu. Oui. Et tu veux repartir là-bas pour partager l'amour de... Oui, c'est ça, non? Parole, oui, amen, gloire à Dieu. Tout ce que j'apprends ici. Alléluia. Ben, tu vois, il y a l'interprétation de l'esprit, je comprends un peu. Que les gens sachent, parce que Dieu, il a dit qu'il faut partager sa parole. Il ne faut pas arrêter dans les églises, il n'y a rien du tout. L'église, c'est nous. Il faut partager, il faut amen. Compartir, surtout l'amour de Dieu. Amen. Tout c'est amour. Uh-huh. Il faut, notre peuple, il a besoin d'amour. Gloire à Dieu. Chacun de nous. Gloire à Dieu. Alors, je suis très, très émotive. Uh-huh. Parce que c'est très, très fort. Amen. Gloire à Dieu. Et nous avons aussi donc un frère qui nous vient de Toronto, qui est pasteur et touché par le message et qui a accepté de revenir à la parole. Donc vous voyez que mon frère Moïse tout à l'heure aussi viendra avec Jérémy hein, pour travailler, pour mm-hmm. voilà, participer, et donc qui est là déjà. Et donc vous voyez, nous ne sommes pas contre les pasteurs. Il y a des pasteurs qui aiment la vérité, qui aiment le Seigneur. Il y a des pasteurs qui sont enfants de Dieu, des pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs. Donc vous voyez, nous sommes contre la religiosité, contre le péché, contre le diable, voilà, les démons. Et donc, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Samy. Bon, en fait, j'ai servi le Seigneur ici. À Paris. D'abord, les années 90. D'accord. Mon frère Moïse là-bas, il est témoin. Wow. Donc, on a travaillé ici. Il y a certaines églises ici. Bon, j'étais vraiment la fondation, si je peux dire ainsi, de ces assemblées. Bon. Wow. Autrefois, on a approché avec Moïse chez les Gitans, comme wow. vous les appelez ici. J'ai parlé également avec mon bien-aimé Patience. Bon, on a travaillé en Allemagne également. D'accord. Pour toujours dans le cadre de promouvoir l'œuvre des Seigneurs. Mm-hmm. À l'époque, on n'avait pas ce titre révérend, ceci, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Oui. Révérend pasteur, apôtre des nations. Et ici, dans l'île de Paris, vers Villepinte, Aulnay-sous-Bois, bon, nous avons également travaillé là-bas. Ok, on va revenir sur ça avec Jérémy tout à l'heure. Oui. Donc déjà, on voulait présenter aux frères et sœurs, hein, qu'il y a de plus en plus de pasteurs qui sont touchés. Donc, et puis on va revenir tout à l'heure par rapport à pâte, quoi. Gloire à Dieu. Nous avons aussi des frères qui nous viennent, des frères et sœurs qui nous viennent de la Guyane, hein, avec lesquels on a partagé aussi des belles choses là-bas en Guyane. Comment allez-vous? Donc on va leur passer, on va revenir sur toi. Merci. Et bonsoir. Ben, bonsoir à tous.
Gabriel, de retour après un an. Un an, ouais, tout à fait. Le Seigneur a permis qu'on revienne maintenant pour cette occasion-là. Il a vraiment tout pris en main, le billet, l'hôtel, pour que tout était vraiment bien réglé. Et on est là, heureux, béni. Amen. Visité d'une façon qu'on ne peut pas décrire. D'accord. Mais Dieu est vivant. Amen. Et il faut revenir au Seigneur. Amen. Il est vivant. Amen. Voilà. Je suis avec donc, des frères et sœurs. Ils vont se présenter. Amen. Alléluia. Moi, c'est Judith. J'ai plus beaucoup de voix. Judith, bonsoir. Enchantée. Bonsoir. Donc, moi, je connais TV de vie, ça fait même pas un mois. Ça fait même pas un mois. Non. Wow. Et en fait, ça s'est passé d'une façon un peu bizarre selon le Seigneur. Parce qu'en fait, je ne connaissais pas. J'ai quitté l'Assemblée en janvier. D'accord. Parce que y avait des choses contraires à la parole, donc je suis sortie. D'accord. Et au fur et à mesure, les choses avançaient. Et Dieu a permis la connexion avec Gabriel et son épouse. D'accord. Donc le lundi, ensuite, donc elle m'a parlé de TV de vie le lundi 24. D'accord. Et le vendredi, le vendredi, il y a eu un programme le samedi 29. D'accord. Le vendredi matin, le Seigneur me dit, tu prends un billet avec Sabrina. Waouh. Et au fait, on a pris le billet, on est arrivé le samedi matin. Mmh. Donc on a eu le programme du 29. Et c'est là que j'ai entendu parler de la Bible, tout ça, moi je ne connaissais pas du tout. D'accord. Et après j'ai dit, Seigneur, écoute, quel que soit ce que tu fais, moi je vais être dedans. Donc... Amen. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai connu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, c'est vraiment une joie de vous recevoir. Hein. Donc voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc ben, je suis l'épouse de Gabriel. Donc effectivement, le Seigneur a permis qu'on soit là parmi vous pour la réunion du 19. On a été richement bénis. Amen. Le Seigneur est fidèle. Vraiment, Dieu est vivant. Amen. Dieu est vivant. Gloire à Dieu. Voilà. Que Dieu soit béni. En tout cas, on va revenir sur les autres. On a aussi un témoignage hein, d'une sœur. Elle m'a partagé le miracle que le Seigneur a opéré. Jérémy, ouais, tu l'as écouté déjà un peu? Oui, j'ai entendu. C'est terrible. Elle a prié pour cet enfant. Elle a prié pour ce bébé. Hein. C'est un miracle, mes amis, impressionnant. Et je te laisse, comme tu vas prendre la suite de l'émission. Je n'étais pas au courant de ce témoignage. C'était l'autre sœur qui a regardé la TV. L'autre sœur, on va lui donner le micro. Il y a une sœur, frères et sœurs, vous qui êtes là, donc mon frère Atas, bonsoir, Madeleine, tous ses frères, mon frère Dadi. Il y a une sœur qui est venue nous voir tout à l'heure au bureau. Elle est venue du Canada. Elle est jeune, de Montréal. Elle est là pour le programme. Elle dit qu'elle était dans une église d'un charlot, d'un charlatan, d'un voleur. Donc à Montréal, qui fait des 13 du Kerli, hein, voilà, et qui est un grand commerçant, qui vole le peuple, qui dépouille le peuple, ce monsieur-là, donc on va le dénoncer bientôt, pour l'instant, on va pas citer son nom. Et cette jeune fille allait prier là-bas, elle a prié là-bas depuis 3 ans, ouais. Pendant 3 ans elle a prié là-dedans, et puis un jour, en plein culte, le Seigneur lui ouvre les yeux, elle voit sur l'estrade beaucoup de serpents, oh là là. Et des scorpions, des scorpions hein, beaucoup de scorpions, beaucoup de serpents, donc sur l'estrade, hein, donc et puis on lui sert la Sainte-Seine, elle dit non, je prends pas elle est sortie de là, elle était déçue, elle a commencé à se plaindre en se disant mais où sont les vrais chrétiens, et puis elle rentre chez elle, pendant qu'elle dormait, le Seigneur lui a donné une vision, elle a vu dans cette vision, pendant qu'elle dormait, quelqu'un écrire TV de vie, elle ne connaissait pas TV de vie. Et puis elle se réveille, elle note ça, elle va sur Internet, elle tape, elle tombe sur le message. Et puis elle se dit, je prends l'avion, je pars là-bas. Elle est venue au programme du 19, donc elle est là, elle assiste à la formation du Didasco. Mes amis, j'étais là, choqué. Je regardais les frères qui étaient avec nous, hein, donc il y en a qui paraissaient ne pas être choqués. Moi je disais, mais est-ce qu'ils ont un problème là? Et en fait, ils étaient également choqués. Et ils n'ont pas réagi comme moi, c'est vrai que chacun a sa manière de réagir. Et moi je suis assez... Vous voyez? Et là, c'est... Je dis, mais il se passe quelque chose, mais il se passe des choses. Et une sœur qui me donne, la sœur, notre sœur, qui me donne un témoignage, elle va elle-même témoigner, Jérémy, tu vois, vous allez entendre, je la laisse elle-même donner le témoignage, ne partez pas écouter ce témoignage, ça me fait... c'est là qu'on voit que le réveil est là, n'est-ce pas, parce que c'est impressionnant, et c'est glorieux, c'est magnifique. Toute cette semaine, jusqu'à samedi soir, il y aura des directs. Donc, à partir de 20h30, des directs sur les enseignements, sur les explications qu'on va vous donner concernant la révision de la BJC, de la Bible de Jésus-Christ. Vous pouvez appeler pour témoigner.
mes amis, oh, que Dieu soit béni. Alors, comme il y a beaucoup d'invités, je ne veux pas monopoliser la place. La télé appartient à tout le monde, hein, aux enfants de Dieu. Je veux laisser mon frère Jérémy de Montréal également partager avec vous. Hein, vous pouvez appeler, poser des questions. Donc, sentez-vous libre de pouvoir partager, échanger avec mon frère Atas qui est là également. Donc, toute cette semaine, on est là en tout cas, Atas. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, vous avez la liberté de pouvoir partager, échanger. Donc, on fait juste une pause d'une seconde, hein, de 15 secondes. 15 secondes. Laurent, c'est possible? Mes amis, voilà. Donc, je m'en vais pour laisser la place. Gloire à Dieu. Magnifique est le Seigneur. Gloire à Dieu.